J'ai envie de réessayer de refaire des vlogs. On verra bien si j'y arrive ou pas. Là, on est mercredi 24 janvier. Oui, c'est mon premier mercredi à la maison de maman. Donc, j'ai mon petit garçon qui est en train de jouer là à côté de moi. Je tente de filmer en même temps. D'ailleurs, vous allez sûrement entendre du bruit, genre la balle qui fait gling-gling et qui tape sur le sol. C'est bien, mon cœur. Enfin voilà, oui en fait j'ai fait une petite cousette ce matin, alors je suis trop contente, j'avais envie de vous montrer. Je lui ai fait un petit snood tout simple, parce qu'en fait il n'a pas d'écharpe ni de tour de cou, et c'est vrai que là à la crèche ils vont faire des petites balades dehors et tout, donc il avait tout le chapeau, les moufles, le manteau qui monte, mais je me suis dit allez je vais lui faire un petit tour de cou quand même en plus. Donc voilà, j'avais tout ce qu'il faut en fait. Donc j'avais du polaire noir, tout simple. Et puis un petit tissu, c'est du coton. Enfin, c'est 95% de coton. Il y a 5% d'élastane. Donc c'est un petit peu. Voilà, c'est bien. Avec des petits animaux, je ne sais plus. J'avais acheté ça pour faire quelque chose pour un. Je ne sais plus quel enfant. Et puis j'avais rien fait. Donc finalement, c'est pour mon enfant. C'est pas plus mal. Donc voilà, un petit snood. J'ai regardé plusieurs. Tuto gratuit et j'ai fait un peu un mix de tout donc voilà, je vais même pas essayer en fait. Je l'ai normalement faut, quand on fait de la couture, on lave le tissu avant, n'est-ce pas? Là, j'ai pas lavé. Enfin, en fait, je les ai lavés quand je les ai achetés, mais je sais pas, ça fait au moins 2 ans si c'est pas 3 ans là, et ça doit faire 2 ans, je sais plus. Donc, je pense qu'il y avait un peu de poussière. Donc là, je l'ai lavé vite fait, enfin, vite fait, non, je l'ai lavé à la main, mais du coup, il est pas sec. Quand ça sera sec, je lui essayerai, je donnerai peut-être un petit coup de fer. Voilà, tout ça pour vous dire. Je suis trop contente d'avoir fait ma mini cousette. Je pense que ça va largement passer autour de sa tête. J'espère que ça ne va pas être trop grand. J'ai fait à partir de son tour de tête. Donc, c'est pas nickel, nickel. Oui, si ça, c'est ma couture à l'intérieur, c'est pas fou. Mais voilà, petite cousette qui va bien. Je suis trop contente. Ça faisait 1000 ans que je n'avais pas fait de couture. Donc, je me suis dit, oh, ça va être sympa, un petit projet rapide et puis utile. Avec tout ce qu'il faut. Donc voilà. Et puis là, à l'instant, j'étais en train de tricoter mon Henri Cardigan. Je vous remonte la photo du gilet. Laquelle photo que je vous montre d'habitude? C'est laquelle que j'aime bien montrer? Bon, je ne sais plus. Si, bah, celle de là. Voilà. Mon Henri Cardigan. Toujours. Bon, je vous ai parlé dans le podcast créatif. Et voilà, je viens de terminer, je viens de l'essayer, je vous mets une petite image aussi. Je viens de terminer bah, le corps, enfin juste avant les côtes en fait. Fallait aller jusque. Attention bébé, on approche. Ah non, les petits ciseaux de couture. Gna 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 gna. Fallait aller jusqu'à ce que les. Je ne sais pas si on va voir. Est-ce que vous voyez? Ce qu'on cherche à voir, c'est le V là, en point mousse, qui se rejoint. Ouf, on voit rien. Si, là, vous voyez un petit peu. Donc, il fallait les faire se rejoindre. Donc là, voilà, il me reste une maille. Ça se rejoint ici. Vous voyez pas. C'est pas facile, hein. C'est pas hyper flagrant par rapport au. Bon, bref. Donc là, j'en suis là. Et il faut que je fasse 4 cm de côte maintenant. Puis les manches. Puis les boutonnières. Hein, c'est quand même pas fini. Mais voilà, je suis allée chercher mes petites aiguilles pour faire mes côtes, mes aiguilles 3,5. Je suis trop contente, je l'ai essayé, il est. Oh là là, j'ai trop envie de le porter maintenant. Mais bon, faut le finir. En tout cas, la taille a l'air parfaite. Donc voilà, je vais continuer. Et ben, je vous dis à plus tard. Je vais continuer. Voilà, je vais faire des petites images de vlog. Et je me suis dit, dès que j'avais une quinzaine de minutes ou 20 minutes en tout de film, on va dire, je vous publierai un petit vlog. Parce qu'un podcast, c'est compliqué pour moi. Le dernier que j'ai fait, là, 2 jours pour le film. Enfin, 2 jours. J'ai pris du temps sur 2 journées pour faire le film et le montage. Après, voilà. En tout cas, pour ceux qui ont regardé et qui ont liké, commenté, merci beaucoup. Ça fait toujours trop plaisir. Surtout quand ça fait longtemps comme ça et qu'on n'est pas du tout sûr de soi. C'est trop motivant. Merci beaucoup. En tout cas, si vous avez suivi, voilà, j'ai commencé mon objectif. Couture pour bébé 2024. Je suis trop contente. En plus, j'avais donc tout en stock. Donc, c'est super. Ça prend vraiment pas beaucoup de tissu. Et puis,
Puis voilà, ça peut se faire à l'infini. Si ça lui va bien, j'en ferai peut-être un deuxième. Ou je vais attendre qu'il soit plus grand, je ne sais pas. Bon, voilà. À plus tard! Bonjour, on est le mercredi 31 janvier, il fait trop beau, c'est trop bien, oh, vous allez voir l'ombre sur mon visage, c'est super. Là nous on est en petite balade, parce que le mercredi c'est trop bien, on peut faire des balades, et voilà, je voulais vous dire, j'ai commencé à reprendre à rentrer les fils de ma couverture. Oh là là, vous allez peut-être avoir le mal de mer et voir ma super coupe de cheveux qui se casse les figures. Oui, donc j'ai commencé à rentrer les fils de ma couverture parce qu'en fait, dans le patron de la couverture Nord-Easterly, la créatrice elle explique comment rentrer les fils au fur et à mesure et je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant. Du coup, j'ai plein de fils à rentrer, donc là j'ai commencé. Je me suis dit, je rentre 10 par jour. Oui, certes. Donc, je vais les rentrer au fur et à mesure, parce qu'en fait, je veux faire une jolie photo pour mettre sur Instagram. Ou pas. Et en fait, à chaque fois que je veux faire une photo avec les fils de partout, ça m'agace. Voilà. Sinon, je viens d'avoir un message de Marine, de Cocon Vert, qui a reçu sa laine. Trop bien. En fait, on s'est dit qu'on allait qu'on allait commencer le gilet Marie et Chêne d'Isabelle Kremer ensemble. Puisque moi, du coup, c'était un gilet que je voulais tricoter l'année dernière, que je n'ai pas du tout eu le temps. Ou du moins, j'ai choisi d'autres projets. Et Marine avait très envie de le faire cette année. Donc, on s'est dit, on va se motiver pour le faire ensemble. Et voilà, elle a reçu sa laine, donc j'ai trop hâte. Je sais pas quand est-ce qu'on va castonner, elle va me dire si c'est aujourd'hui ou demain ou un autre jour. Trop hâte. Bon, je vous laisse, j'arrête de vous malmener et je continue la balade. À plus tard. Et est-ce qu'on montre le snood porté? Oh, il est bien caché le snood là. Il est là, le petit snood. Il tient bien chaud. Oui. Bonjour. On est mardi, je ne sais plus, 13 février. Ça fait un moment que je n'ai pas filmé, c'est pas grave. Je voulais juste vous montrer. Avec Marine de Cocon Vert, on a décidé de tricoter en duo le gilet Marie et Chêne, qui est un de mes projets de mon mec Nine, ensemble, donc c'est trop cool. On a commencé le 1er février, donc voilà, je voulais vous le montrer un petit peu, je ne sais pas si je vais y arriver, d'une main. Je vais peut-être vous tourner la caméra, mais voilà, en tout cas c'était juste pour vous montrer un petit peu ça. Je vous montre tout de suite. Donc le voici, le voilà, voilà où j'en suis. Donc c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas. Là j'en suis quelques rangs avant la séparation du corps et des manches. Et j'en suis trop contente, il est trop beau, j'ai trop hâte, trop envie de le porter. Donc là la couleur, c'est pas tout à fait ça, c'est un rose poudré. voilà, mais il est trop bien. Je trouve que c'est un projet vraiment sympa parce que donc on réfléchit un petit peu quand même pour la partie là, vous avez un panneau de voilà de dentelle et un peu de poignerie double. Et après c'est que du jersey. Bon là il y a quand même des augmentations à faire, mais du coup je trouve que c'est pas mal. On se concentre un peu pour cette partie-là et puis après on avance. Voilà, j'en suis vraiment trop contente. J'ai vraiment envie de le porter. Pas maintenant, hein, mais voilà.
trop contente. Je le tricote en lima de drops, coloris rose poudré. Là, la couleur est pas tout à fait fidèle, là. Bon. Voilà. Et du coup, par contre, depuis que j'ai commencé ce projet, je tricote plus rien d'autre. Voilà. Comme j'ai un temps limité de tricot, on va dire. Ben voilà. Mais souvent, quand je commence un nouveau projet, enfin, je pense qu'on est, je suis pas la seule, hein. Beaucoup plus à fond sur nouveau projet. On a envie que ça avance, etc. Donc, j'ai complètement mis en stand-by mon Henri Cardigan. Pourtant, je l'aime fort et j'ai vraiment envie de le porter, mais je ne l'avance plus du tout. Et peut-être aussi parce que du coup, c'est des aiguilles 4 aussi. Donc, j'ai volé les aiguilles de Henri Cardigan pour faire le gilet mariée chaîne. Donc, voilà. J'ai pas d'autres aiguilles 4, je crois. J'ai pas trouvé. Donc, tant pis. Eh bien, écoutez, je vous tiendrai au courant des aventures de mes gilets très prochainement. À bientôt! Je vous reprends, on est le vendredi 1er mars pour clôturer ce vlog que j'ai commencé donc fin janvier, qui aura tenu un petit peu plus d'un mois. Je filmé hier ou avant-hier, je sais plus, quelques images là de mon gilet marié chêne ou marié ken, je ne sais pas comment on dit, comme on veut, d'Isamel Kremer toujours. J'approche la fin. Marine de Cocon Vert, je crois qu'elle l'a déjà terminé, ou en tout cas quand je vais sortir la vidéo, je pense que le sien sera terminé. Donc c'est trop cool. C'était un projet vraiment tout doux, tout mignon, tout réconfortant. J'avais demandé à Marine, je peux le dire, Marine, il n'y a pas de secret, comment elle qualifierait ce projet. Et moi, le mien de mots, c'était douceur. Mais réconfortant, ça pourrait aller aussi. C'est vraiment. Alors attendez, j'ai un appel en même temps, évidemment. Non, je ne veux pas vous parler. Je suis déjà en train de parler. Pour moi, c'était vraiment le projet, ouais. Cocooning, douceur, doudou. Donc, trop bien. J'approche la fin. Je suis en train là de. Je profite de ma pause déjeuner pour avancer ma manche, enfin ma première manche, on va dire. Est-ce que je vais réussir à vous montrer? Ah, bah, faudrait que je mesure, mais ma Marine m'a prévenu que les manches étaient assez longues, volontairement, mais qu'il fallait y aller, comme elle le dit, que c'est vraiment chouette. J'avais dû redéfaire, je pense bien, 7 ou 8 cm de manche, parce que une fois que j'ai commencé la manche, j'ai tricoté en jersey à fond, puis d'un coup, je me suis dit, mais c'est une manche, il faut faire des diminutions, donc j'ai redéfait et voilà, bref. C'est toujours mon unique projet du moment. Je suis vraiment dessus, j'ai envie de le finir et de le porter clairement. Donc je vais continuer, le finir et je vais reprendre, je pense, le Henri Cardigan après. J'ai rien touché d'autre là récemment. Je m'étais dit aussi que je tricoterais un petit peu ma couverture tous les week-ends, mais là ça fait 2 voire 3 week-ends que je n'ai pas touché. C'est comme ça. On ne peut pas être partout. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Ah, c'est tout. Je vais peut-être juste vous faire un point d'étape sur le gilet.
Et moi, non, bah, je n'ai rien de très intéressant à vous raconter pour l'instant, si ce n'est que j'ai mis de côté toutes les pelotes que je veux garder au chaud en attendant qu'on fasse les travaux et que je vais devoir tout stocker ma laine et mon tissu ailleurs, à la cave. Donc j'emballe ça bien, mais... Donc j'ai quand même mis de côté dans ma petite valise. Je vous montrerai si j'y pense, mais les laines que je veux garder de côté, il y en a bien sûr 10 fois trop, hein, vu que je fais un projet sur 1 000 ans. Bref, mais en tout cas, voilà. J'ai de la couture à faire bientôt pour aider mon conjoint là, sur un aménagement de van qu'il a fait. J'ai des rideaux à faire. Donc ça va me remettre un petit peu sur la couture, mais sinon, voilà, j'ai pas beaucoup avancé mes objectifs de Make Nine pour l'instant. Enfin, quand j'aurai fini ce gilet plus le deuxième, l'Henri Cardigan, ça fera quand même 2 projets. Ce serait chouette que je les finisse en mars. Je pense recommencer un nouveau vlog après ça. Donc soit là, on est vendredi, donc vendredi midi, soit j'arrive à vous filmer des petites choses ce week-end, auquel cas j'intégrerai à ce vlog. Sinon, ce sera pour le prochain. C'est dommage, j'ai fait plein de gâteaux, plein de recettes, plein de petits trucs. Et j'ai pas pensé à filmer. Bon, c'est pas grave. Et là, ce que j'aimerais bien faire, c'est lancer quelques semis, mais vraiment pas beaucoup, mais juste histoire de me remettre dedans. Ah si, c'est ça, j'aurais pu vous filmer. Mon conjoint, il m'a fait des carrés potagers. Je suis trop contente depuis le temps que je le bassine avec ça. On avait des planches de bois. Je vous mettrai les images en même temps si je pensais à vous les filmer. On avait des planches de bois qu'on avait récupérées. C'était d'un habillage de piscine, je crois, extérieur. Enfin, on avait récupéré la piscine, mais en fait, elle était plus viable, donc on avait gardé les planches en bois. Et en fait, elle traînait là dans le jardin, elle me gênait. Donc, on a dit, bon, on va finir par les jeter. Hein. Et un jour, lui, il avait du bois qui lui restait de ses aménagements. Et je lui dis, ah, mais on pourrait faire des carrés potagers avec. Et il me dit, bah non, c'est pas du bois traité, nanana. Hein, bon. Et d'un coup, je me suis dit, mais. Piscine extérieure, le bois doit être traité forcément. En plus, piscine, ça doit être traité, je pense, bien comme il faut. Du coup, au lieu de les jeter, ces planches de piscine, de feu la piscine, il m'a fait des carrés potagers. Donc, je suis trop contente. Mais maintenant, il faut les remplir. Alors, déjà, il faut les placer, les positionner, il faut les remplir aussi. D'ailleurs, il faudrait que je m'active parce qu'ils sont censés être. Enfin, si on avait voulu bien faire, je pense qu'ils auraient dû être remplis. Bien avant. Je sais même pas comment je vais faire, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, j'ai envie de faire ça et de lancer des petits semis. Voilà. Aussi, j'ai planté trois, allez, six pensées juste devant l'entrée de notre maison. On a quelques marches avant de rentrer dans la maison. On a deux pots qui sont constamment vides et soit mes chats viennent gratter dedans, soit mes poules viennent gratter dedans. Et ça me déprime de voir des pots vides. Je crois que je vais les enlever. Quand ils sont vides. Mais là, du coup, j'ai mis des petites fleurs dedans et je suis trop contente. Quand je rentre, voilà, je suis trop contente. Je les regarde, je suis trop contente. Voilà. Je ne sais pas comment c'est par chez vous, mais ici, il y a quand même un avant-goût de printemps. Hein. Je vous ai mis quelques images de ma balade de ce mercredi. Oh là là, c'était trop bien. J'ai vu ma première pâquerette. Bon, on est d'accord qu'il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est la première que je vois en fleurs. Donc, je suis trop contente. J'ai vu des petites violettes aussi. C'était trop bien. Enfin, voilà. Il y a un avant-goût de printemps, il y a les oiseaux qui chantent de partout, c'est trop cool. Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt et j'espère que le printemps arrive chez vous aussi et que vos projets avancent comme vous le souhaitez. Sinon, c'est pas grave, vous savez, avec moi, c'est toujours, c'est pas grave. Allez, au revoir!